la deuxième partie donc, de la présentation des livres, de toute ma collection de livres hors Disney. Donc, c'est reparti. Celui-là, on l'avait déjà fait. Je ne vous présente pas les mêmes. Donc, il y a celui-ci. Donc, j'avais trouvé pareil à Noz. Donc, il y a des livres. J'ai dû me tromper dans la vidéo précédente où j'ai dit Action. Et c'était Noz. Hein. Je me suis trompée plusieurs fois. J'ai toujours tendance à dire Action mais Noz. Donc, dessin inspiration pour les amoureux des chats. Voilà. Donc... celui-ci, pareil, je pense que il va aller à la vente aussi. Je pense, parce que bon, il peut être colorié au marqueur aussi. Bon, il faut qu'à un moment j'arrive à faire un peu le tri, parce que là, je pourrais pas tout colorier de toute façon. Donc, je pense que celui-là va aller à la vente. Hein. Il va y avoir les livres d'action. Donc là, c'est bien les livres d'action. Donc celui-ci, j'ai dû en faire aussi dedans. Donc lui sera vendu. Ouais. Je pense que je ferai un lot des deux. Avec celui-ci. Mais comme celui-là, j'ai pas dû, je crois. Bon, celui-ci n'a pas de coloriage fait. Non, celui-ci n'a pas de coloriage de fait. Donc voilà, ils seront vendus tous les deux comme ça. Pour compenser, parce que bon, c'est des livres qui valent 2 euros de base, donc à la rigueur, voilà. Parce que dans celui-ci, j'avais fait celui-là. J'avais commencé les fleurs comme ça. Je crois que j'avais fait un tuto avec. Et celui-là, au fond marin. Bon, il y a encore de quoi faire. Et celui-là. Et celui-ci aussi. J'allais l'oublier. Il y a celui-là. Les maisons dans les pots. Je pense que ça doit être tout. Mais oui, celui-ci, ce sera le lot de ces deux livres-là. Voilà. Donc, The Mysterious Library. Donc, ceux-là, ouais, c'est des livres que j'avais mis déjà à part, que je suis sûre de vendre. Donc, celui-ci, pareil. Hein. Donc, c'est un livre qui vaut assez cher. Qui se faisait avec la Inky Box. Moi, je l'ai eu sur... Vinted. Donc, il y a des super colos. Le problème, c'est qu'il faut vraiment que ce soit fait au crayon de couleur. Et là, moi, ça va être trop compliqué pour moi. J'ai quand même de plus en plus de mal avec les crayons de couleur. Donc, j'ai déjà beaucoup de livres qui me restent. Donc, voilà. Donc, celui-ci sera revendu aussi. Donc après, on a celui-là. Donc c'est Fantasy Season. Donc il est vraiment joli. Il ressemble un petit peu au niveau des Romantic Country, au niveau des dessins. Donc pour l'instant, celui-ci, je pense que je vais le garder. Il est vraiment super beau. Après, je verrai au fil des temps ce que je fais. Mais franchement, il est beau. Je l'avais trouvé sur Vinted aussi. Je voulais le trouver aussi. Du coup, j'ai toujours pas colorié. Ouais. Je vais faire cela. Donc là, un petit carré zen comme ça, mandala, qui pareil va aller, je pense, à la vente. Donc lui, il peut être fait pareil, marqueur, fineliner, feutre, voilà, différents choses. Et voilà. Donc pour ceux qui aiment les mandalas, tout ce qui est coloriage comme ça, vous avez la petite roue des couleurs au fond. Donc lui, comme c'est un livre vendu, enfin, je veux dire, il sera rajouté dans un lot, puisque c'est un livre qui a été offert, hein, que j'ai eu gratuitement, donc il ne sera pas vendu, mais il sera offert dans un lot. Si on prend plusieurs livres, je rajouterai celui-ci. Voilà, ça que je veux dire. Alors, il y a le Aztec et Maya, donc pareil, il y a des très beaux colos, hein. Moi en tout cas, j'aime bien. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire des choses avec différentes couleurs, ça peut vraiment être sympa. Donc pareil, celui-ci, je ne pense pas que je vais le garder non plus. Donc, il y a de quoi faire vraiment des belles couleurs. Hein. Bon, il y a des frises, hein, mais vous avez aussi des belles. C'est beaucoup de petites statuettes. Il y a des oiseaux, il y a des fleurs.
Il y a de la culture aussi comme ça. Donc celui-ci sera à vendre aussi. Il y aura aussi le Johanna Bassform. Donc là, celui-ci, il a la couverture rigide. Donc vraiment en carton comme ceci. Assez rare. Donc il coûtait de base 12,90€. J'ai eu sur Vinted aussi. Donc lui, bah, il sera revendu aussi. Donc par contre, c'est du papier, je pense, qui absorbe. Je pense, hein. Après, au niveau qualité du papier, c'est du marabout, donc le papier est assez jaune. Après, voilà, vous avez des... de quoi faire. Super, mais c'est un jardin secret. C'est vraiment très joli. Donc celui-là, il n'a aucun colo de fée dedans. Je crois pas, normalement. Moi, j'en avais fait aucun. Et je crois que la personne à qui je l'ai acheté n'en avait fait aucun aussi. Innocent. Attendez, j'aperçois de la couleur. Hein. La seule chose, c'est pas celui-là qu'ils ont été me faire dans. Je me demande s'il n'y a pas un. Comment on appelle ça? Un labyrinthe. Oui, un labyrinthe. Et je pense que c'est soit la personne ou soit un enfant qui a fait ça. Qui a été faire les traits du labyrinthe. Donc voilà. Ça, le petit truc dans ce livre. Vraiment, il n'y a aucun coloriage de fait. Donc après, je ne sais pas si ça peut être caché par un fond ou qui que ce soit. Donc voilà, celui-ci fera partie des livres à vendre. Donc après, on a le Natural, le Natural Body Coloriage, comme ça. Donc pour coloriage pour adultes, donc avec des portraits. Ah oui, ma fille est en train de me montrer, il y a eu un début d'échelle de fait dans le jardin secret de Johanna Bassform. Donc j'avais fait celui-ci l'année dernière pour Octobre Rose, le cancer. Ah oui, il y a un chien qui gratte. Celui-ci, donc voilà, c'est pas mal de portraits comme ceci. Donc celui-ci, il n'y a pas de problème, je colorie au marqueur, mais puis je vais le garder. J'ai petite bête et grosse bestiole, comme ceci. Je crois que je l'avais eu pareil sur Vinted, une personne qui en vendait plein comme ça. Donc il est neuf, il y a des beaux colos, comme là le paresseux, le hérisson. Donc lui, bah, quand j'avais vu des vidéos de présentation dessus, j'avais carrément craqué. Donc lui, je vais le garder rien que pour ses illustrations. Puis j'essaierai quand même d'en faire. S'il y a des pages derrière qui me laissent pas, je pourrais les faire. Je pourrais toujours les faire là, oui. Comme cette page là derrière, c'est de la tapisserie, donc ça peut être fait. Donc celui-ci, je le garde. J'ai le maxi colo LOL, donc avec les poupées LOL. En plus, j'en avais fait juste un comme ça. Voilà. Donc bah, voilà. Comme tous les maxi colos, hein, c'est des livres qui ne coûtent pas très cher. Papier est assez fin. Bon, c'est du recto verso, malheureusement. Donc, lui, je pense que je vais le garder pour l'instant. Donc, ça, c'est les Adult Coloring Book de chez Action. Pareil, ces deux-là, je les garde. C'est les derniers que j'ai achetés pour l'instant. Donc, eux vont être gardés. De toute façon, je crois pas que j'ai fait de coloriage dedans. Ça va être les deux seuls que je vais garder de toute façon de chez Action. Il semblait que j'en avais plus que ça, mais apparemment, non. Voilà, vous avez. Je vous montre des petites images vite fait. Je ne sais même pas pourquoi je tombe, mais voilà. Donc ça, je garde. Je vous montre les petites images derrière. Vous voyez. Et celui-ci. Donc voilà. Donc le Creative Heaven, j'ai le Halls Coloring Book. Donc avec les chouettes là, les hiboux. Donc voilà ce que ça donne. Donc. Pareil, c'est du recto, il n'y a rien derrière, donc ça peut être fait au marqueur. J'aime beaucoup tout ce qui est chouette. Si je trouve ça super joli, chouette ou tout. Hein. Donc,
colorie même les... Moi j'ignore en général les dessins parce que j'aime pas colorier tous les petits dessins. J'ai celui-ci de Maria Troll. Donc celui-ci, je le garderai de toute façon. Donc c'est le Vivi Soccer Avan. Donc celui-ci, je ne sais plus l'équivalent. C'est le Dream Race, je crois. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien derrière. C'est un dessin par page, donc peut vraiment être fait même au marqueur, puisque je n'ai rien derrière. Donc c'est vraiment top en édition. C'était Printworks qui le faisait. Donc là, le papier est vraiment de bonne qualité, assez épais. Donc lui, pas de problème pour le faire, donc lui je le garde. Il y a le coloriage pop comme celui-ci, donc en principe c'est ma fille qui va le prendre. Donc c'est avec des portraits, vous avez des portraits même à dessiner. Voilà. Vous n'avez rien, c'est du papier lisse. Voilà. Mais vous avez le modèle à côté, vous faites votre visage. C'est vraiment sympa. Voilà. Vous faites les décors que vous souhaitez. Donc, j'ai Alice Adventure in Wonderland. Donc là, c'est des jets de semeur. Voilà. Donc, pareil, ce sont des pages avec derrière. C'est des pages recto avec l'arrière noir. Donc celui-ci c'est le classique parce que je crois que j'en ai un autre. Donc lui je ne sais pas. Peut-être que je le vendrai parce que je crois que j'en ai un autre que j'aime mieux. Ça c'est le classique. Il est sympa aussi. Mais peut-être que je ne vais pas le garder celui-ci. J'ai le jardin merveilleux d'Atsuko, donc celui-ci je vais le garder. Donc, c'est pareil, c'est une histoire à colorier. Donc ça peut toujours être un livre d'histoire. Puis les colos sont sympas. C'est un livre qu'on ne trouve pas beaucoup. Donc j'aime beaucoup. Donc la petite fille avec le panda. Voilà. Donc pareil, il peut être colorié aussi parce que vu que. Vous avez le dessin et derrière c'est l'histoire à lire. Ça peut être tout à fait au marqueur comme pour moi sans problème. Donc, voilà. Donc, celui-ci je l'avais trouvé à Nose. Donc c'est mon bestiaire à colorier. Donc ça se comporte un petit peu comme un dictionnaire, enfin une encyclopédie sur les animaux. Voilà. Donc c'est assez sympa. Je vous explique sur l'autre page les animaux, les correspondances en images. Donc ça se... Oui, en fait, vous les avez là. Vous avez les dessins des animaux. Et à l'arrière, en fait, vous avez l'explication qu'ils font. Donc même, ça peut être fait au marqueur. Hein. Même si ça, c'est recouvert. Ou même gardé comme ça. Il est très joli avec son... couverture argentée. Donc dessin inspiration dans le jardin, donc c'est pareil, il y a des super colos qui peuvent être faits avec toutes sortes, hein, vu que vous avez juste une petite phrase comme ça de marquer. Il y a vraiment des belles images, donc lui je pense pareil qu'il va être à vendre. Faut que j'arrive à en trier quand même. Et je crois que même vous n'avez pas des étiquettes pour celui qui fait du jardin. Sans moi qui me ferait. Je crois qu'il y avait des étiquettes à. Mais franchement, vous avez des super images. C'est vraiment très joli. À moins que ma fille le craque dessus, mais autrement. Voilà, il sera. Ça donne ça, voilà. Ah voilà, vous avez les petites étiquettes pour le jardin. Voilà, pour celui-ci. Donc le voilà, celui que je vous disais, donc Alice in Wonderland.
Voilà, c'est plutôt celui-ci que je vais garder. Donc, j'aime plus le style comme ceci. L'autre, donc, je pense que je vais garder plus celui-là. C'est vraiment trop mignon. Je pense comme tous les Jade Sommer, ça doit être en double, je pense. Ça doit être les mêmes images. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est excellent. Je l'ai en double. Alors, inclus 25 images uniques. Ouais, bah, donc, ça doit être ça, 25 x 2. Donc, celui-ci, je vais garder. Assassin's Creed. Donc, pareil, celui-ci, je vais le garder. C'est le livre officiel de coloriage. Bon, pas de page, des pages recto verso, mais je vais garder. Alphonse Mucha, voilà l'autre que j'ai comme ceci. Donc celui-ci, pareil, il me semble, ça doit être celui-ci que j'avais dû faire. Ah, je ne sais plus si j'en ai fait dans celui-là, non. Celui-ci se fait à la peinture de toute façon. C'est créer votre propre chef-d'œuvre. Voilà, il vous donne un petit peu les bases de couleurs ici pour colorier celui-là. Donc il y a 40 dessins. Ouais, ils ne disent pas avec quoi on peut colorier, mais bon, c'est assez. De toute façon, il peut être colorié avec ce qu'on veut. C'est vraiment sympa. Celui-là, il reste dans mes livres. Donc, j'ai le paysage comme ceci en coloriage mystère. Donc, pareil, il n'y a pas de souci. En plus, c'est des coloriages mystères. On fait au feu de toute façon. Et puis, ça peut traverser. Il n'y a rien derrière. Donc, voilà pour le. Enfin, c'est coloriage par numéro et non mystère, puisqu'on voit ce que c'est. Donc, sans fleurs que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, donc de spécial art. Donc, celui-là, pareil, je le garde. Alors, le femme fleur, pareil, c'est un des récents que j'ai eu. Pareil, ça fait des affiches, 20 illustrations. Donc, j'en ai fait un comme ceci. Je ne sais même pas si je l'ai mis sur si je vois. Donc, lui, pas de problème. Je l'ai fait au marqueur, je crois. Et ça n'a pas traversé du tout. Ouais, il a été fait au marqueur. Ouais. Et ça n'a pas traversé du tout. Donc, lui, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, franchement, puis il est chouette. Bon, celui-là, je le garde. J'ai le gros livre comme ceci. Alors, ça, ça a été un des premiers que j'ai eu. Je crois que ça a été un de mes premiers que j'ai trouvé. Donc, chez Nose, le Coloring for Creativity. Voilà, donc c'est vraiment un gros livre. Donc, lui, rien comme ce premier, je vais le garder. Il va d'ailleurs faire des coloriages, hein, même si tout ne me plaît pas. Mais regardez, ça c'est sympa. Ça se rapproche un petit peu au livre de chez Action. Voilà, vous voyez, c'est vraiment comme dans les livres Action. Il y a pas mal de tapisseries par contre. Mais. Il y en a des beaux aussi. J'aime bien comme celui-ci. Voilà. Il y a vraiment différents styles. Donc, il y a du mandala. Il y a des choses comme ceci. Et des tapisseries. Donc, celui-là, je vais le garder. Donc, incroyable portrait. Donc, pareil, vous en avez 40 portraits à colorier. Il me semble qu'on les a en double. Il me semble, ceux-là, je ne sais plus. Non, ça, c'est du Pegasus, alors je suis pas sûre, je crois pas. On les a en double, mais voilà. Ce sont des portraits. Donc là, vous avez de quoi tester les portraits. Donc, vous pouvez faire avec n'importe...
quel matériel. Bon, si c'est de la peinture, ça va gondoler parce que c'est du papier fin. Et derrière ces fonds noirs, ça doit être du papier Amazon, je pense. Ouais, imprimé par Amazon. Donc voilà, donc c'est du papier Amazon. Et vous avez divers portraits qui sont vraiment sympas. Donc voilà. Celui-là, il ira soit moi ou moi, ma fille. Et après, donc, j'ai les livres de Fabiana Attanasio. Donc, eux, rien que pour la beauté des livres, je vais les garder. Donc, j'ai Alice au Pays des Merveilles, donc en version anglaise. Alice in Wonderland. Donc, bah, j'ai le grand poster et tout le livre. Donc, voilà. J'ai Peter Pan. Pareil, hein, poster. Il me semble j'en avais acheté sur Vinted et j'en ai eu en neuf aussi sur Amazon, mais ils en avaient fait des bonnes remises dessus. Non, celui-là, j'en ai fait aucun. Mais j'ai Blanche-Neige. Donc lui, Blanche-Neige, je n'ai pas le poster par contre. Celui, j'ai dû l'avoir d'occasion, vu que c'est le livre français. Les deux autres étaient anglais. Là, celui-ci, il est en italien, donc Hansel et Gretel. Donc lui, pareil, j'ai pas eu de poster. Mais j'en ai fait aucun, il doit m'en manquer. Qu'est-ce que j'avais ? Ce genre que j'en avais fait. J'ai Pinocchio aussi. Pinocchio que j'avais fait. Pinocchio, je sais pas où il est. Mais j'ai Pinocchio aussi. Je crois que c'est que ces 5 là, j'ai. Voilà. Et dans la collection comme ceci, donc j'ai le fleur sans coloriage, où il y a des fleurs, bien sûr, et des portraits, pas mal de portraits, je crois, dans celui-ci. Voilà, vous avez des personnages. Voilà. Il est vraiment très joli. Donc celui-ci, je crois que je l'avais eu sur Vinted aussi. Voilà. Il y a vraiment... Vous avez des double pages de fleurs. Voilà. Alors, il va y avoir Johanna Basford, donc Ivy et le papillon d'encre. Donc j'en ai fait aucun, je l'avais acheté sur Cultura. Donc voilà, il y a toute l'histoire, le livre, il est entièrement neuf. Donc en Johanna Basford, je vais vous montrer directement les livres que j'ai d'elle. J'ai Forêt enchantée. Voilà, donc Johanna Basford, donc je l'avais acheté à un espace culturel, donc pareil, j'en ai fait aucun dedans. Hop. J'ai Jungle Magique, donc oui, j'en avais fait dedans. Pour des binômes Facebook, au début, je faisais pas mal de binômes Facebook. J'avais fait cette double page-là avec un fond... bruchot, mais ça, voilà, ça a traversé. J'ai fait aussi une autre double page de feuilles. Pareil, j'avais fait un crayon de couleur aquarelle là. Voilà, je me rappelle plus lesquels, mais voilà. Donc, j'ai celui-ci, j'ai une base forme. Je crois que c'est tout. Si j'avais eu le petit océan perdu comme ceci, mais voilà. J'ai eu ça en cadeau avec des crayons de couleur. Donc voilà. Donc pour les jeux en Abasson, Ivy est plus petite que les autres. Donc, voilà pour cela. J'ai bébé animaux en 50 coloriage mystère. Donc pareil, j'en avais fait par rapport à des binômes et puis pour mon plaisir aussi. Voilà. Donc petit format, il n'y a rien de l'autre côté. Donc, pas toujours évident de voir les chiffres, mais bon, ça fait des colos pas très grands à réaliser, donc c'est bien. J'ai celui-ci. J'en avais un autre. Oui. Et j'ai 50 coloriages mystères comme ceci aussi. Voilà, lui, je crois que j'en ai fait aucun dedans. Donc voilà, il est tout neuf. Pareil, même principe, hein, il n'y a rien derrière. Et j'ai aussi coloriage par mystère. Donc c'est par des points de couleur. Donc c'est avec les tableaux de Monet. Donc pareil, je n'ai pas encore réalisé.
mais c'est pareil, donc vous avez les tableaux à la fin. Mais donc lui il peut être fait vraiment avec différentes sortes vu que vous avez rien derrière, donc soit avec des crayons, des feutres, des pastels qui disent. Je pense qu'on peut même faire marqueur, peut-être même peinture. Et voilà. J'ai le Alice au pays des merveilles comme ceci en gros livre. Donc c'est un livre à lire et à colorier. Donc c'était Hachette qui a fait ça. Ils ont fait aussi les malheurs de Sophie que je voulais aussi me trouver. Et du coup je ne l'ai pas trouvé, mais bon, vous avez vraiment le livre d'histoire. Donc même si vous ne le coloriez pas, que vous le laissez en noir et blanc, voilà, c'est vraiment un livre d'histoire avec l'histoire complète. Donc voilà, très beau livre. Donc après c'est des petits magazines comme ceci, donc avec des magiques color, le coloriage magique, hein, pareil, c'est des dessins magiques et détachables, donc il n'y a rien derrière, donc voilà, assez vite fait je pense à faire. Il y a en Megastar, j'ai le coloriage mystère comme ceci, donc je ne sais pas si j'en avais fait un, comme ceci, voilà. Donc que par contre, ils sont recto verso, ils sont détachables et le papier est assez épais. Donc voilà. J'ai celui-ci aussi, coloriage ministère spécial enfant, donc avec les crayons de couleur. Pareil, donc c'est recto verso, mais ils sont détachables aussi. Donc il n'y a pas trop de couleurs, les cases sont assez grandes, donc c'est pas mal. Donc j'avais eu avec les crayons avec, en train de s'abîmer. Je crois que je les avais eu vraiment quand j'ai été faire opérer. Le Romantic Country, donc là c'est le numéro 2. Donc voilà, de très beaux livres. Donc ceux-là, je sais pas, il n'a jamais été fait. Moi j'en ai fait aucun dans celui-ci. Donc les dessins sont vraiment superbes. Pour l'instant je le garde, il y a un très grand poster. Donc, qui, du coup s'est trouvé déchiré, je pense à le prendre, et j'ai légèrement déchiré, donc à colorier. Et ah si, il y en avait eu un de fait, c'est pour moi ça, vous avez dû l'avoir d'occasion celui-ci, ouais, la personne elle avait fait ça, oh, je me rappelle plus, moi je crois pas, il y en a eu deux de fait. Par contre, ils sont magnifiques, on croirait qu'ils sont dessinés à l'encre, je crois. Voilà, donc il y a eu ceux-là de fait, celui-ci. Voilà. Donc pour l'instant, je le garde. Peut-être que je m'en séparerai après. Mais pour l'instant, rien que pour les dessins, je le garde. Donc Liberté fait partie de la collection des coloriages par numéro aussi. Donc j'en avais fait certains comme ceci. Ils rentrent vraiment bien, donc pareil, il n'y a rien derrière. Donc voilà. Il faut mieux mettre un carton, quelque chose, parce que même les feutres ont tendance à traverser. Donc j'ai Forêt du Monde aussi, comme ceci, en coloriage mystère. J'ai dû juste en faire un, parce que lui, il faut. Et c'est énormément de petites cases. Vous voyez, il a beaucoup de dessins avec des petites cases, comme ceci. Pas mal de couleurs aussi dans les verts. J'avais fait celui-ci pour un binôme, donc autrement ça rend super bien. Bon, après là celui d'après il a des grandes cases, ça dépend. On sait beaucoup dans les tons verts. J'ai aussi le coloring book Magic Dream comme ça, donc c'est un peu des dessins en pointillisme. Et du pointillisme partout, mais pour certains, parce que là il y en a certains des des dessins qui sont en pointillisme comme ceci. Par contre vous en avez d'autres que ouais, il y a quand même des motifs avec du pointillisme, donc pareil, il n'y a pas de dessin, c'est juste recto. Donc lui je crois que c'est ma fille qui va le prendre. Celui-ci, donc je pense que soit je vais le vendre à part ou il sera rajouté dans un lot. Donc c'est les coloriages par numéro extraordinaire. Là c'est les livres de chez Action. Voilà, moi j'avais fait celui-ci,
Au feutre, ça a tendance un petit peu à traverser. Donc je pense que voilà, il sera rajouté en cadeau. Il y a des très beaux à dessin par contre. Je crois que j'en avais fait plusieurs. J'avais dû en faire que deux. Voilà. J'avais fait celui-ci, donc il y en a d'autres faits. Donc voilà, il sera rajouté en supplément. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres à vendre. J'en ai, hein, mais... Alors, jardin de couleurs. C'est 35 planches détachables. Donc ça, c'est à faire surtout à l'aquarelle. Je pense, puisque il n'est pas... Il y a des dessins recto verso. Donc voilà, j'avais fait celui-ci. Donc ça a eu tendance à traverser. Il me semble que j'avais fait pourtant à la peinture, mais vous voyez, ça avait traversé. Donc ils sont détachables. Après, ouais, il faut commencer par la fin. Et puis si on le fait, puis ça traversera sur le modèle. En commençant par la fin, ça permet d'avoir les modèles pour celui qui veut. Voilà. Un très beau livre aussi. Donc il y a le livre Jungle. Donc lui il est tout neuf, je ne sais pas si je vais le garder parce que c'est comme Johanna Basford, tout ça, des très beaux dessins, beaucoup de feuilles, beaucoup d'animaux, mais bah, c'est des livres recto verso, donc pour les faire au crayon de couleur pour moi ça va être assez long, assez compliqué, donc je ne sais pas trop si je vais le garder, là je suis dans ma chambre. Alors, j'ai Jardin d'essence aussi, comme ceci. Donc, lui, je l'avais eu sur Vinted et je crois qu'il est tout neuf. Ouais. Mais vous avez des super dessins. Franchement, j'aime beaucoup. Et pareil, recto verso. Des livres comme ça, ils devraient les faire juste recto, comme ça. Je trouve que ce serait mieux, mettre du papier un peu plus épais et puis... ça permettrait comme ça de pouvoir être colorié. Après au feutre, ça va, le problème des feutres c'est que ça fait des marques. Les marqueurs, ça permet d'avoir moins de marques. Donc voilà pour celui-ci. Bah, je crois qu'on a fait le tour de tous mes livres hors Disney. Donc il va y avoir une vidéo encore avec les livres Disney. Je vais faire aussi une vidéo sur mes livres tuto. Ouais, puis j'ai aussi, bah, je rajouterai aussi dans une des vidéos la moins grosse, je rajouterai aussi mes livres points à relier, comme ça j'en ai 3, donc ça fait pas grand chose à rajouter. Donc bah, je vais vous laisser sur tout ça, sur tous les livres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter soit en commentaire ou à mon adresse mail que vous avez sous la barre, sous la vidéo. Et puis ben moi je vous dis bonne semaine, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !